Les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur national sont lancées. Au total, 235 candidats composent les épreuves écrites de cet examen. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Odongar, qui a donné le coup d'envoi de cet examen en présence de quelques responsables de la direction des examens et concours. Cet examen, c'est en quelque sorte une formalité qui permet de standardiser et de crédibiliser le BTS. Donc c'est un exercice que nous faisons presque chaque année pour permettre à ce que nous puissions rentrer dans les normes requises en termes de diplômes qui sont délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. Selon le ministre, cette année, l'examen est ouvert aux candidats libres et l'effectif est moindre par rapport aux années précédentes. Les candidats sont ici uniquement des établissements privés du pays.